Je viens de réaliser que j'avais oublié d'enregistrer les premières conférences. Je m'en excuse, j'ai été distraite en voulant m'assurer que tous nos participants étaient bien présents avant le début du bloc. Ce que je vais faire, je vais vous demander à Catherine Turgeon et M. Samson de me partager leurs diapositives que je vais pouvoir mettre en lien avec l'enregistrement du reste du bloc de conférences. Mais je m'en excuse pour cette petite distraction. J'ouvrirai la porte à peut-être deux petites questions si nous en avons pour M. Samson avant de passer là, au conférencier suivant. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Est-ce que Alex Saint-Denis, tu veux poser ta question? Oui, bonjour, M. Samson. Je voulais juste savoir, c'était quoi l'entente qui était proposée au ministère? L'entente, c'est que dans le corridor sud, ce qu'on disait, le corridor sud, c'est 17 km sur les 40 km. Corridor nord et le massif, c'était une aire protégée de catégorie 3. Corridor sud, une aire protégée de catégorie 4 ou autre, qui permettait l'extraction de ressources, mais évidemment avec des conditions préétablies. Ça, il n'y a pas eu de retour? Pas de retour, non. Puis on a rencontré le ministère en présentiel, ce qui était rare, hein, en décembre. Là. Puis on a fait une réunion avec le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Environnement puis le ministère des Forêts. Merci. Je vais prendre une dernière petite question, mais je n'ai pas de nom pour la personne. Il est identifié comme user sur le chat. Je lui céderai la parole. Ah, bien, c'est Patrick Gravel. Donc, Patrick, tu peux poser ta question. Est-ce que tu es là, Patrick? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Patrick. OK. Monsieur Samson, est-ce que vous avez pensé à un regroupement avec d'autres gens qui travaillent pour les aires protégées au Québec? Est-ce que ça a déjà... Y a-t-il des discussions de votre côté par rapport à ça? Oui, oui. Présentement, il y a un regroupement qui prend forme. Là, on a une réunion justement en début de semaine prochaine. Parce que ce qu'on dit, la seule voix qu'on a, nous, les communautés, puis je répète, on n'est pas contre la foresterie, loin de là, mais la seule voix qu'on a, évidemment, c'est de se faire entendre et de se regrouper, puis de se faire entendre en plus grand nombre. En fait, nous autres, localement, on travaille pour les aires protégées de l'Outaouais. Je me demandais, est-ce que le regroupement dont vous parlez, c'est quelque chose de pan-québécois? Parce que moi, je trouverais ça intéressant qu'on puisse participer avec vous là-dedans. Là. Ben oui, en fait, vous pourriez, je pense que vous devriez avoir mes coordonnées sur le site, là, m'envoyer un courriel, puis tout à fait, notre regroupement, présentement, il y a des gens du Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a des gens des Laurentides, il y a des gens de Lanaudière, tous des groupes comme les nôtres qui militent pour protéger des petits bijoux riches déjà en biodiversité dans chaque coin du Québec. Surtout dans le monde concentré au sud du Québec. Fait que Patrick, si jamais tu as de la misère à trouver les coordonnées là, de M. Samson, n'hésite pas à me contacter. Là, je pourrais facilement vous mettre en contact. Je vous remercie encore beaucoup, M. Samson, d'avoir partagé votre expérience et le travail colossal que vous avez effectué au cours des dernières années. Merci. Je vais céder la parole à notre prochain conférencier. C'est en fait une présentation double de M. David Farran, qui est le maire de Duhamel, ainsi que Jean-François Larrivé, qui est ingénieur forestier à la MRC. Puis je vois que M. Farran, il est très occupé en ce moment dans son érablière. Oui. Est-ce Donc, que vous m'entendez bien? Oui, oui, je suis surpris que vous ayez une bonne connexion comme ça dans votre érablière. Oui, à 12 km de Duhamel. Mon voisin, c'est la réserve phonique Papineau-Labelle, mais la technologie me permet de partager cet avant-midi avec vous. Vous comprendrez qu'un colloque au mois d'avril, ça nécessite des travaux également au niveau de notre érablière. Je veux d'abord vous dire que la présentation, c'est Jean-François Larrivé qui va la faire, qui est ingénieur forestier.
et qui travaille avec notre comité sur la biodiversité de notre MRC à Papineau. Alors, tout d'abord, je vais prendre 2 minutes pour exprimer le point de vue d'un élu dans le dossier. D'abord, à titre de participant au comité de biodiversité et non à titre de maire de Duhamel, puisque c'est un projet sur l'ensemble de notre MRC et qui est visé dans ce dossier. Pour réaliser notre objectif, Jean-François va vous énumérer les partenaires avec qui on travaille sur le comité. D'ailleurs, certains des partenaires sont parmi nous ce matin. Alors, je les salue et je les remercie d'être présents. Le comité a été formé là, environ 2 ans maintenant. Et malgré les difficultés de rencontre, on approche de l'étape où on va pouvoir déposer au Conseil des maires un document de travail, un document de plan d'action. Et je voulais aborder un peu le bénéfice que un élu ou les élus ont à travailler avec la panoplie d'experts qui est sous notre comité. D'abord, la prise de décision, elle est beaucoup plus facile à prendre puisqu'elle est basée sur des recommandations d'experts. Et ça nous permet également de regarder comment on peut trouver des partenaires financiers puisque le plan d'action identifie bien les actions à prendre dans les années à venir. Nous avons également la possibilité, avec le comité, de travailler pour l'acceptabilité sociale. Et là, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, puis tantôt, M. Samson vivait la problématique de l'acceptabilité sociale et la problématique que les gouvernements ont avec la notion de cette acceptabilité sociale. Mais il en va de même pour les différentes industries, que ce soit l'industrie forestière ou l'industrie minière. L'enjeu de l'acceptabilité sociale est au cœur du succès de notre plan d'action qui vise nos corridors de biodiversité afin d'assurer un projet qui va être accepté par les propriétaires, par les utilisateurs des terres publiques et privées. Enfin, les élus s'attendent à ce que le plan d'action soit d'abord compréhensible, non seulement pour nous qui ne sommes pas des experts dans le domaine, mais également pour la population. Et ça, c'est un message que je lance aux participants du colloque. On travaille beaucoup entre experts et le niveau de compréhension doit être amené à ce qu'une population ou qu'un élu qui n'est pas trempé dans le domaine puisse être bien compris. Et on s'attend à ce que le plan d'action soit précis et mesurable et qu'on ait un échéancier qui soit réalisable. Et je suis confiant, j'ai vu les partenaires travailler à la table sous le comité et je suis très confiant que l'ensemble des maires de la MRC vont vouloir identifier dans son schéma d'aménagement ce plan d'action. Alors, je cède la parole à Jean-François et on vous revoit tantôt. Merci. Merci beaucoup, M. Farrant. Donc, j'invite M. Larrivé à partager sa caméra ainsi que son écran pour nous partager la présentation. En attendant, je vais aller mettre du feu dans le poêle. C'est bon, ça. Il ne faut pas trop que ça baisse. Est-ce que, M. Larrivé, vous êtes toujours parmi nous? Est-ce que je le vois? Il ne
Je ne le vois plus dans les participants, malheureusement, monsieur Larrivé. Je ne sais pas où il est passé. Je vais essayer de le contacter. Je vais essayer de le contacter directement pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donnez-moi un instant. Salut Benoît. Au pire, s'il disparaît, je peux vous faire une mini présentation sur la connectivité dans la MRC s'il ne réapparaît pas. Et tu peux combler le temps en parlant un peu. Je sais que tu as été impliqué également dans le projet. J'ai une présentation de prête. Bon, ben vas-y. OK. OK, donc, il faudrait que tu mettes comme pouvoir partager mon écran. OK. Donc, j'y arrive. OK, une seconde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, donc, je ne m'attendais pas. Je vais juste vous montrer un peu dans la stratégie de. Je fais partie avec M. Farrand et j'avance à l'arrivée là, du comité biodiversité. Et on avait fait une analyse de connectivité qui était la première étape. Et après, je sais que Jean-François est allé présenter cette analyse. Semble t'avoir perdu, Marie-Ève. Tu as figé. Ça va bien ce matin? Marie-Ève, est-ce que tu nous entends? Ça va pas bien ce matin. Benoît, est-ce que je peux suggérer qu'on passe autre présentation et revenir peut-être? Oui, je pense que c'est ça qu'on va faire le temps qu'on réussisse à contacter M. Larrivé puis régler les problèmes avec Marie-Ève. Oui. La prochaine conférencière, c'était Marilyn Després-Inspener, qui est la directrice générale d'Éco-Corridor Laurentien, et elle est présente et sa connexion semble bien fonctionner. Je vais t'inviter à prendre la parole un peu d'avance, Marilyn, et à partager là, ta présentation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Oh, est-ce que M. Larrivé vient de se rejoindre avec nous? Oui. Désolé, Marilyn, on va peut-être te faire patienter un petit instant de plus. Jean-François, merci d'être de retour parmi nous. M. Farrand a fait un peu l'introduction de votre projet et on était maintenant rendu à ta présentation. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tu l'as pas loin? Ma ligne Internet a planté à la maison, une panne électrique. Est-ce que tu l'as en backup, toi? Je l'ai sur mon courriel. Donnez-moi un instant. Je vais te demander un coup de main parce que là, je suis parti à la course au bureau. Là. C'est ça, je viens parler de la connectivité écologique, mais ma connexion Internet a planté. Fait que ça ne part pas bien. Donnez-moi un instant. Et dans le fond, pour en guise d'introduction, comme disait M. Farrand, il y a 2 ans et plus, là, le conseil des maires de la MRC de Papineau a mandaté son service d'aménagement de la MRC de Papineau afin d'élaborer une stratégie de conservation de la biodiversité qui est explicite quant à la connectivité du territoire puis au réseau des aires protégées qui y tient dedans. Comment dire, c'est parce que c'est dans l'air du temps aujourd'hui.
On voit bien la pression qui s'accentue. Merci, Benoît. Je t'ai rendu à la deuxième slide. Je disais qu'avec la pression qui s'accentue, le Conseil des maires est sensible. Tu peux passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Oui, j'essaie de louer un instant et cacher derrière mes fenêtres. Si je fais ça comme ça, est-ce qu'on voit toujours la présentation? Oui, je te vois bien, moi. OK, excellent. Donc, je passe à la prochaine. Et voilà, c'est parti. Donc, la mise en contexte, c'est qu'il y a 2 ans, c'est ça. On a eu le mandat, le service d'aménagement de la MRC de Papineau, c'est de présenter quelque chose qui est explicite au territoire là, quant à la connectivité écologique du territoire, de conserver et de maintenir des liens. S'il te plaît, Benoît. C'est une chance. Il y a plusieurs cartes. Là. Il y a 24 diapositives là, pour... Oui. Benoît, il va peut-être falloir que tu départages et que tu repartages parce que ça l'avance pas, là. Ça l'avance pas? Oh! Donne-moi une seconde. On va... Est-ce que ça l'avance si je fais ça? Non. Non, donne-moi une seconde. Je repartage. Maintenant, on est rendu sur cette... Là, vous voyez la slide avec écho. Oui, peut-être reculer de 2. Donc, c'est ça, l'introduction que j'ai faite. C'est qu'on est mandaté à réfléchir à une stratégie de conservation depuis 2 ans. Puis, tout ça pour dire qu'a priori, on n'est pas tout seul. Hein. Puis là, les prochaines slides vont le montrer. Là, on n'est pas tout seul à penser à la connectivité. Comme par exemple, là, ici, un des premiers exemples là, ou initiatives auxquelles on fait partie comme une pièce d'un casse-tête, c'est le projet de conservation de la nature Canada, Éco-Corridor Laurentien, de relier entre eux, de multiplier les initiatives pour relier entre eux là, le parc de Mont-Tremblant, parc national d'Oka et de Plaisance. Ensuite, vous voyez les grosses tâches. Là. Ça, c'est la même diapositive, mais de façon schématique, là, avec les mêmes grands axes, qui sont le parc national de Plaisance d'Oka, qui passe en partie aussi par le parc, la réserve faunique Papineau-Labelle. Une seconde, tu peux passer à la suivante. Initiative plus internationale auquel on s'inscrit ou qu'on fait partie du casse-tête, là, c'est celle projet Eastern Wildway, qui ont eux aussi planifient aussi la connectivité à grande échelle. Vous voyez les grosses taches vertes foncées, ce sont des massifs forestiers existants, comme les Adirondacks dans le sud. Au nord, on retrouve encore le parc national de Plaisance. Je veux porter aussi votre... Mont-Tremblant. Je veux porter aussi votre attention à la grosse tache verte qui est au nord de Gatineau, là, de la ville de Gatineau. On voit le parc de la Gatineau, mais aussi la réserve faunique Papineau-Labelle, qui est... qui est un lien important de la connectivité à l'échelle régionale, reconnu. Ensuite, si on continue pour les exemples suivants. Plus proche de chez nous, la MRC d'Argenteuil, notre voisine, qui quand même, on a tout avantage à s'inspirer d'eux. Ils ont planifié depuis 2014 la connectivité écologique de leur territoire. Les massifs verts que vous voyez sont des massifs forestiers. Existant. Un territoire quand même plus fragmenté que le nôtre, là, en passant. Le nôtre, on est à 70 % forestier, à 30 % agricole. Manifestement, ici, ce n'est pas le cas. Donc, eux autres sont plus en recherche de rétablir des liens. Nous, dans notre démarche, oui, rétablir des liens en milieu agricole, mais également maintenir les liens existants. C'est ça qu'il faut, le législateur ou le conseil doit penser. Ou si vous voyez à assurer le réseau des terres publiques dans la MRC d'Argenteuil, auquel c'est c'est synonyme souvent de forêt, de massif forestier. Donc, c'est à exploiter ou à considérer dans la planification de la connectivité écologique. La prochaine, s'il te plaît. Je reviens au mandat qui a été confié au comité biodiversité de la MRC de Papineau, celui de proposer une stratégie de conservation de la biodiversité au Conseil des maires, qui est explicite quant au milieu naturel d'intérêt à protéger ou à aménager durablement, à proposer des corridors écologiques qui permettront de maintenir ou de rétablir la connectivité des déplacements fauniques et la propagation de la flore entre les milieux naturels suivants. Ça, c'est important à dire. Oui, la connectivité écologique, dans le mandat qu'on a, il faut penser globalement, là.
C'est une finalité, mais en cours d'analyse du territoire, tu peux passer à la prochaine, Benoît. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait cinq territoires naturels d'intérêt chez nous. Six. Qui sont là illustrés, qui sont les suivants. Puis on s'est dit, si on, localement, on arrive à maintenir ou à connecter ces milieux naturels d'intérêt entre eux, on a, localement, c'est plus facile d'exporter nos corridors après ça hors de la MRC. Là. Donc, agir localement, on a, vous voyez, la réserve faunique Papineau-Labelle que je vous avais parlé tout à l'heure. Le Canuck Nature, un grand terrain massif forestier privé d'un seul tenant, un des plus grands en Amérique du Nord d'un seul tenant. Au sud, vous voyez le Parc national de Plaisance. La rivière des Outaouais, si on regarde ça de façon linéaire, il y a beaucoup de protection qui est accordée grâce au Parc national de Plaisance et au futur refuge aux Massettes. Le long de la rivière des Outaouais. Donc, ça, c'est bien, mais la trame agricole qui sépare ces milieux naturels du bord de la rivière des Outaouais, du massif forestier plus au nord, constitue une entrave où des liens où c'est important de maintenir et rétablir des liens pour la biodiversité. Donc, de connecter ces secteurs-là entre eux, c'est bien. C'est l'objectif, un des objectifs de la stratégie. La prochaine, s'il te plaît. Dans la méthodologie, approcher, bon, c'est sûr, le comité de la biodiversité a été créé dès le départ. Là. Ça a été une des premières choses qu'on a faites, s'entourer d'experts, pouvoir conseiller le conseil des maires là, sur toute question relative à la biodiversité. Puis on est bien entouré. Je vais revenir plus tard à la composition. Là. C'est sûr que le travail est encore en continu. Puis la consultation que je parle là, puis l'implication, ça a été fait une première fois, mais c'est en continu, surtout dans un monde où les élus changent. Ensuite de ça, la connaissance du territoire, en continu, toujours, on a quand même une bonne connaissance, mais pour étoffer une stratégie de conservation, vu que c'est quand même relativement audacieux à présenter un conseil des maires, la connaissance du territoire, la documentation scientifique est de mise, autant que les consultations publiques, les consultations du milieu. Je vous disais tout à l'heure, oui, merci. Je vous parlais qu'on était bien entouré là, pour le comité aviseur, là, le comité de la biodiversité de la MRC, celui qui, en soi, épaule le service d'aménagement de la MRC là, pour l'élaboration de cette stratégie-là. En premier lieu, l'ISFOR, la coopérative de solidarité des forêts des gens, Patrick Gravel, le Parc national de Plaisance, l'Agence des forêts privées de l'Outaouais, le CREDO, l'acronyme du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, CNC, Conservation de la nature Canada, l'organisme de bassin versant des rivières rouges, Petite Nation et Saumon, Canard illimité, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, on a un représentant, l'Institut Canoc, le MAPAC, la Fondation biodiversitaire, Éco-Corridor Laurentien et des maires aussi, quelques maires. Donc, ça, c'est la présentation, Benoît. OK, merci. Ensuite de ça, je parlais tout à l'heure de la documentation du territoire. Voici, je vais vous présenter en rafale là, une série de cartes qui montrent les différentes données qui ont servi à élaborer une stratégie de conservation. Premièrement, on a considéré la hauteur des arbres avec les nouveaux outils LIDAR. Là, vous pouvez voir ici pour les néophytes, là, tout ce qui est jaune, ce sont des champs agricoles puis tout ce qui est vert en contrepartie, vert foncé, ce sont des hauteurs d'arbres qui avoisinent les 30 mètres de haut. Donc, ça aide à cibler un peu les massifs forestiers et les vieilles forêts. C'est un des outils qu'on a. La slide suivante, s'il te plaît, Benoît. Ensuite de ça, pour planifier la connectivité écologique du territoire, il faut considérer aussi les aires protégées existantes ou planifiées. Ce que vous voyez ici, là, dans l'ordre et dans le désordre, ce sont toutes les aires protégées à considérer sur le territoire. Les plus centrales,
ce que vous pouvez parler, qu'on peut observer sur le territoire, pardon. On a parlé tout à l'heure de la forêt La Blanche, pas loin de Mayo. Le projet d'une réserve de biodiversité Mashkiki, qui est quand même le cœur puis le poumon, là, pas loin du lac Ancœur, qui est quand même un aspect central de notre stratégie de conservation. Ensuite de ça, il y a des refuges biologiques, il y a des affectations sur terre publique. À l'est complètement, là, la grosse tache verte de Notre-Dame de Bon-Secours, à l'est. Ça, c'est la propriété privée de Canotte Nature. Au sein c'est la propriété privée de la conservation de la nature Canada au sein de la Canotte Nature. Pardon. Ensuite de ça, donc tout ça pour dire, c'est bien de tenter de relier tout ça. Parce qu'il y a des caractéristiques souvent de forêts exceptionnelles, de biodiversité qui méritent d'être connectées. Ensuite de ça, si on regarde pour un autre outil de travail qu'on a utilisé, le réseau des terres publiques, vous voyez en beige, qui représente environ 40 % du territoire de la MRC de Papineau. Souvent, le territoire public, c'est ça, c'est un couvert forestier continu. C'est moins de contraintes, effectivement, il faut être lucide, il y a moins de contraintes sûrement en conservation, quoiqu'il faut maintenir un effort de conservation, surtout redoubler d'efforts en terre privée pour la conservation, puis d'être équitable aussi dans le procédé, là, la terre privée, c'est à considérer, le réseau des terres publiques. J'ai sorti, vous voyez sur la carte aussi, les terres en rose là, à l'ouest, à Beaumaine, c'est des terres privées. Mais c'est des terres qui appartiennent en zone inondable pour la plupart, là, qui appartiennent à Énergie La Lièvre, Énergie Brookfield. Ça, c'est plus en lien avec les plans de milieu humide et hydrique, là, qui voudraient avoir des discussions avec eux, quoi faire pour ces terrains-là. Mais essentiellement, cette carte-là montre le territoire public de la MRC de Papineau, au nord. La suivante. Une autre donnée à considérer dans la recherche de la biodiversité sur le territoire de la MRC, c'est les sols rares, les sols marginaux, on pourrait dire. Chercher des sols spéciaux, ça revient à chercher une flore spéciale aussi. Là. Dans le fond, ce qu'on voit là, les taches, là, le marbre. Ce sont des occurrences de marbre là, qui peuvent induire la présence de plantes calcicoles. Donc, ce sont des données cartographiques qui doivent être validées sur le terrain, mais pour le positionnement des corridors ou de l'élaboration de la stratégie de la conservation en général, c'est essentiel à considérer. Ensuite de ça, les grandes rivières du territoire. On parle d'axes, de corridors de connectivité. Ça a paru important ici d'identifier quelles sont les grandes rivières du territoire qui paraissent là. De plus, il y a la rivière La Lièvre là, à l'extrême ouest. Ce qui est apparu, c'est que dans le fond, toutes ces grandes rivières-là traversent toute la zone agricole. C'est un indice intéressant, plus qu'un indice, en fait. Là, on parle de qualité de l'eau, on parle de rétablir la connectivité écologique. Ce sont des grands axes là, à considérer aussi dans l'élaboration de la stratégie. Ensuite de ça, on a été chanceux. On a eu une subvention d'aide financière de 50 000 $ du ministère de l'Environnement, de lutte au changement climatique, pour élaborer la stratégie de conservation. Donc, on avait déjà les outils de base là, accessibles là, à tout ce qu'on avait, mais on était un peu plus loin que ça maintenant grâce à cet argent-là, grâce à l'ISFOR également. Ce qu'on a fait, c'est premièrement, on parle de consultation puis d'interpeller les élus. On organisait un forum. Bien, ça, c'est la finalité là, qui est arrivée il y a un an là, passé. Avant ça, on a réalisé des inventaires botaniques, complété les données de la flore et de la faune, plus la flore sur le territoire public. Là. Les outils qu'on a présentés précédemment ont servi à discipliner nos recherches. Puis également, tester la connectivité du territoire écologique, du territoire de la MRC à l'égard des déplacements fauniques. Ça, c'est une initiative original en soi, c'est rendu essentiel pour ce genre d'exercice-là. Cette carte-là, je vais passer rapidement, là, c'est des données du CPDNQ. Ça, c'est le fait saillant des inventaires qu'on a réalisés en 2019 puis 2020.
dans le fond, le message à retenir souvent, là, les inventaires botaniques, quand on cherche, on trouve. C'est ce qui s'est passé ici. Là. Cherchant en bonne place, puis avec des botanistes compétents, c'est ça que ça a donné sur 2 ans. Là, vous voyez, pendant 35 plantes rares identifiées à 300, maintenant plus que ça, Patrick, dont une juste rare endémique à MRC, seulement 400 endroits au Québec. Il y a des espèces, on pourrait dire, pas fortes, mais en tout cas des indicatrices, là, on pourrait dire, comme le carioval, le genévrier de Virginie. Ça a été une surprise de trouver ça chez nous. C'est très au nord de son aire de distribution, surtout le genévrier de Virginie. C'est un arbuste. C'est fréquent aux États-Unis, mais ici, il y en a dans le Pontiac, là, Cap Rocher Oiseau, là, mais Gatineau aussi, il y en a, mais jusqu'ici, c'est pas mal au nord. Puis, lors de nos recherches, les hotspots de la biodiversité jusqu'à ce jour, ce qui est apparu, les collines de facettes, ce qu'on voit en rentrant dans la MRC, là, du bord de la 50, c'est riche. Une richesse floristique intéressante. Puis, étant donné que c'est escarpé, il n'y a jamais eu beaucoup d'interventions. Ensuite de ça, à Papineauville, pas loin du centre villageois, puis les terres publiques de Mulgravedery à l'est du lac La Blanche. Il y a de belles découvertes qui ont été faites là. Donc, ça, c'est un peu en rafale ce que les résultats des inventaires botaniques peuvent donner. Ensuite, je parlais tout à l'heure, la prochaine diapo, la connectivité écologique du territoire, telle que réalisée par un logiciel qui s'appelle Circuscape. Merci à Marie-Ève Arouet et ses associés d'avoir produit cette carte-là. Je ne vais pas rentrer dans la documentation scientifique, là, vu le temps accordé, mais plus c'est blanc, meilleur c'est le terrain et meilleur est le terrain pour les déplacements de la faune. Des espèces parapluies qu'on dit. On a testé la connectivité écologique pour des espèces telles que le petit palatouche, la marbre d'Amérique et la tortue des bois. Dans le fond, plus c'est blanc, plus ces habitats sont favorables pour les déplacements de ces espèces-là. Puis quand on dit qu'ils sont parapluies, c'est qu'en dessous d'elles, il y a à peu près comme 120 espèces différentes qui sont réputées être protégées. Ce que vous voyez en très blanc, là, c'est le sud de la réserve Papineau-Labelle. Quand même la tache la plus blanche. C'est ça. Ensuite de ça, au sud, la grosse tache blanche là, centrale au sud est digne de mention parce qu'il est sur terre privée. C'est admirable de voir au sein du massif agricole de terre privée, il demeure quand même des massifs forestiers intéressants, connectés puis à conserver. Vous voyez aussi là, ce qui se découpe à l'est, la Canoc Nature, qui est quand même plus blanche que le restant. Là. Quand c'est très noir-noir, c'est comme soit en périphérie, c'est un territoire fragmenté, soit en périphérie d'un village ou entouré de routes, etc. Fait important aussi, la 50, le trait noir que vous voyez au sud de la MRC de Papineau, constitue, on voit que c'est un frein au déplacement faunique d'un côté. Par exemple, vous voyez que c'est blanc, tout d'un coup, toc, ça arrête, là, de l'autre côté, c'est noir. Donc, du coup, quand on parle de connectivité écologique, c'est nous a apparu clair qu'il faut travailler avec des instances là, comme le MTQ pour, à long terme, nous rétablir ces liens-là. Ce sont les principaux highlights là, de ce que le test de connectivité écologique, a donné il y a 2 ans. Donc, on s'en inspire fortement pour l'élaboration de la stratégie. La prochaine. Ensuite de ça, vous voyez, ça explique la prochaine diapositive. Là, le beau jeu de recommandation, tu peux sauter directement à la prochaine. Là. Ça, c'est la proposition des corridors écologiques là, en cours d'élaboration. Vous voyez, il y en a pour 700 km. J'ai voulu simplifier au maximum. Simplifier, là, vous voyez le réseau des terres publiques en beige. Évidemment, comme je disais tantôt, il nous reste à peaufiner puis à bien positionner ces corridors-là. Là. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce qu'on entend faire à l'intérieur pour être vraiment efficace en termes de connectivité écologique. Je vais porter à votre attention aussi
au sud, les deux taches vertes qui sont apparues. C'est un outil supplémentaire qu'on planifie. Là, on appelle ça le réseau des forêts privées exemplaires. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure des massifs forestiers là, qui sont demeurés, je veux dire, le couvert forestier demeuré dans la zone agricole malgré tout le temps qui est passé, ou la pression humaine. Là. Donc, du coup, surtout en termes de connectivité avec la rivière des Outaouais, on a réalisé assez tôt que les corridors écologiques, là, ça ne suffirait pas. Fait que ça nous prenait au sud, là, dans la zone la plus fragmentée du territoire de la MRC. Un outil supplémentaire dans lequel on veut proposer de comment régir les occupations. Ça, je vais l'expliquer dans une diapositive plus loin. Comme je vous disais, il y a pour 700 km là, de corridors planifiés. Ça n'a pas encore force de loi, là, c'est en élaboration. En zone agricole, on se rabat souvent ces grosses rivières. Les grosses rivières comme la Blanche, la Petite Nation, une partie de la Loutre, la rivière Saint-Six, qui mène. Ce sont des liens importants là, avec l'eau. Là. Puis ça nous permet de franchir la zone agricole. J'ai montré aussi les passages fauniques potentiels sur l'eau. Les gros points, là. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment des passages fauniques, là, mais en devenir. C'est-à-dire que si on fait des aménagements, surtout lorsqu'on va doubler la 50, là, c'est des points qu'il faudrait soit améliorer ou maintenir les efforts de connectivité. Mais c'est ambitieux, c'est sûr. Ensuite, la prochaine diapositive. Ça, j'explique, dans le fond, les deux outils législatifs qui sont en cours d'élaboration. Un corridor écologique. Les 700 km, là, afin de maintenir la connectivité. Bon, ce n'est pas d'interdire, je veux dire, la première initiative, c'était d'interdire totalement toutes les choses liées au développement immobilier, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas faisable. Donc, pour être plus réaliste, là, ce qui est envisagé, c'est à l'intérieur, un promoteur immobilier qui présente un projet qui touche ne fût-ce que par un coin à un corridor écologique, doit faire des inventaires botaniques, mais également aussi faire la preuve, bien, plus que la preuve, il doit monter un concept d'aménagement qui est explicite quant à la zone de développement, mais explicite aussi quant à la zone de conservation. Donc, c'est un développement un peu plus vert là, qu'on exige. Là. Dans le fond, le promoteur doit faire la démonstration, nous, on doit vérifier, que son projet immobilier n'est pas fluide, là, mais qui favorise, il y a des liens écologiques dedans. Dans les forêts exemplaires que je vous ai montrées au sud, ce qui est envisagé, bien, c'est ça le développement immobilier, c'est la même chose, quoi, qu'on est en zone agricole all the way, fait que ça, c'est un faux débat, là, mais c'est la même chose, là, c'est que dans le fond, l'objectif, c'est de maintenir intègre ou chercher à améliorer le couvert forestier à ces endroits-là. Donc, la proposition serait de demander des inventaires botaniques, des plans d'aménagement et de conservation dans ces aires-là. Ce sont deux outils législatifs en cours de confection. Maintenant, à l'autre diapositive, c'est la suite. C'est la suite des choses. La stratégie de conservation a été bien reçue l'an passé à l'occasion d'un forum. Maintenant, c'est de la faire atterrir, si on veut. La finalité, le but final là-dessus, c'est sûr que si on peut avoir une affectation au schéma qui est explicite quand ce qu'on vient de dire, c'est l'objectif de la stratégie à atteindre. Comme ça, ça se traduirait par des règlements municipaux que les municipalités devraient appliquer. Mais il y a le plan d'action. Il y a encore des consultations, de la documentation scientifique à faire pour éprouver solidifier cette stratégie-là. Donc, ça, c'est en continu. Ça se fait le plan d'action dans les suites des choses à venir. On a un plan d'action qui va être déposé cet été, qui va mener un peu les prochaines étapes menant à l'objectif que je vous ai parlé tout à l'heure. D'ici là, on trouve important dans la zone agricole, là, vu qu'on parle de maintenir, là, dès maintenant, de multiplier les initiatives là, visant à créer des corridors écologiques. Puis il y a aussi les consultations. On est dans un monde où il y a des élus, ça change aux 4 ans. Donc,
c'est l'information de la consultation pour que les gens s'approprient aussi le vocabulaire puis la notion. Tu sais, c'est nouveau pour bien des gens, donc on ne peut pas brusquer les choses. Voilà. Puis de travailler avec nos voisins, rester connecté avec nos voisins. Voilà nos recommandations. Puis la dernière diapositive, c'est un gros remerciement aux membres aux gens des comités biodiversité, puis moi, municipalité du ministère de l'Environnement, qui nous a donné un coup de main. Là. Ils ont cru à notre projet. Donc, le 50 000 $ c'est... voilà, ça ferait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Oui, bien, merci beaucoup, Jean-François. Ça m'attriste beaucoup, parce que je pense qu'on aurait eu vraiment beaucoup de questions pour toi, mais comme on a pris déjà énormément de retard, je vais inviter les gens à venir te voir après la fin du bloc de conférence, juste pour qu'on puisse rattraper un peu, puis pour que les gens qui avaient pris des engagements puissent donner leur présentation ou arriver à l'heure là, pour les autres conférences. Mais je te remercie énormément. Je te remercie de ta rapidité d'avoir retrouvé ton bureau. J'ai eu vent qu'il y avait eu une panne de courant à Saint-André-Avelin. Avec c'est ça qui a pu t'affecter. J'étais à Papineauville, moi. Oh! C'est gros. Ben, je te remercie énormément. C'est un super beau projet. Je pense que c'est une belle initiative que vous avez faite, puis je suis content de voir que les gens de l'histoire ont contribué à ce projet. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire vos questions dans le chat pour M. Larrivé. Il pourrait répondre là, au courant du reste du bloc. Sinon, je vais inviter Marilyn à partager sa caméra si elle est toujours parmi nous. Oui. Et ouvrir son micro et partager son écran. Super. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Génial. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, mon nom, c'est Marilyn Després-Einspinner et je suis la directrice générale d'Éco-Corridor Laurentien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aménagement des passages phoniques et plus spécifiquement des passages phoniques dans les Laurentides. Un instant. Donc, Jean-François en a parlé un peu dans sa présentation, Éco-Corridor Laurentien. Notre vision, c'est de relier le parc national d'Oka au parc national du Mont-Tremblant par un réseau d'éco-corridors et d'aires protégées qui traversent le territoire des Laurentides. Donc, pour arriver à cette vision, on travaille avec de nombreux partenaires issus de divers horizons. Puis, avec ces partenaires, on cherche donc non seulement à avoir des milieux naturels connectés, mais également des humains interconnectés, des humains qui se parlent, qui travaillent ensemble et qui donc travaillent à protéger les corridors et les noyaux de conservation de la région. Je vais sauter dans le vif du sujet. Donc, l'image ici peut vous paraître peut-être particulièrement frappante. Donc, on a un corridor ici là, qui est traversé, qui est en zone urbaine. Puis, on peut voir là, que le corridor est traversé par une route en plein milieu. On sait que les routes peuvent représenter des barrières importantes pour le déplacement de la faune à cause des risques de collision avec les véhicules qui causent d'importantes mortalités. On peut donc venir aménager des passages phoniques pour permettre aux animaux de traverser les routes en toute sécurité. Ici, on voit l'image d'un passage phonique supérieur à Banff, en Alberta. On peut également aménager des structures existantes sous les routes, comme dans l'image ici, puis faire des aménagements spécifiques, là, encore une fois, sous les routes, comme un passage utilisé ici par des crabes en Australie. Donc, les passages phoniques permettent aux animaux de traverser les routes en toute sécurité, mais il n'y a pas juste un avantage pour la faune, il y a également des avantages pour les humains. Donc, à chaque année, les médias rapportent l'enjeu des collisions avec la faune et avec raison. Donc, on peut voir ici qu'à chaque année, c'est plus de 5 000 à 8 000 collisions qui sont rapportées avec la grande faune seulement. Par exemple, dans les Laurentides, si on considère uniquement les collisions avec les grands mammifères comme les cerfs ou l'orignal, on a pu démontrer que le nombre de collisions augmente à chaque année. Donc, le pourcentage de collisions avec la faune qui a été enregistré par rapport au nombre total des accidents a presque doublé en 7 ans.
On a également fait une analyse économique, puis on a pu démontrer que sur seulement 50 km de l'autoroute 15, donc dans le nord des Laurentides, le nombre de collisions est tellement important que ça génère des coûts de près d'un demi-million de dollars par année. Puis ça, c'est des frais qui sont assumés par l'ensemble de la société québécoise. Donc, les collisions, c'est non seulement un enjeu pour la biodiversité, la sécurité des humains, parce qu'il y a plusieurs collisions qui peuvent être mortelles, mais également pour l'économie de la province. Donc, quand on sait que les passages inférieurs qui sont couplés avec des clôtures réduisent les taux de collision de 86 %, mais on peut se dire que c'est non seulement bénéfique pour les humains, mais très bénéfique pour les humains. Si on regarde la situation au Québec maintenant, il y a plusieurs cas documentés de passages fauniques qui ont été aménagés au Québec. Vous voyez les routes puis les autoroutes en question dans la liste ici. Je vais vous en présenter quelques-uns. Ce qui est important à savoir, c'est que la totalité des passages qui existent en ce moment au Québec, c'est des passages inférieurs, donc sous les routes. Puis c'est des ponceaux, des ponts qui ont été aménagés spécifiquement à cet effet. Donc, un exemple ici, la route 138 près de Baie-Saint-Paul, où en 2014, il y a deux passages fauniques qui ont été installés pour les orignaux. Donc, vous pouvez voir une image ici, des passages qui ont été aménagés, en plus des clôtures là, qui sont utilisées pour à la fois empêcher les orignaux de traverser la route, mais également les rediriger vers le passage. En Estrie, maintenant, l'organisme Corridor Appalachien qui travaille avec le MTQ et l'Université Concordia pour faire des inventaires des collisions, puis également faire le suivi des structures existantes sous les routes pour identifier la localisation de passages fauniques. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes très visuel, mais j'aime ça avoir une idée de à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc, j'ai une petite vidéo ici. Vous me direz. J'espère que vous entendriez bien. Là. Je ne me rappelle plus si j'ai partagé. Je m'excuse. OK. Dites-moi, si jamais ça ne marche pas, là, je vais sauter à la prochaine, mais vous pouvez voir ici un exemple des inventaires qui sont réalisés sur l'autoroute 10. On n'entend pas le son. Vous n'entendez pas? OK. Juste un instant, je m'excuse. Je recommence. Share sound. OK. On recommence. Là, si ça ne marche pas, dites-moi là. Moi, je suis en train de regarder cette fenêtre pour trouver les animaux sur la voie de gauche. Sabrina est en train de regarder la voie de droite et l'accotement, et Anna est en train de conduire. Cinq jours par semaine, à l'aube et au crépuscule, les trois étudiantes en environnement de l'Université Concordia arpentent l'autoroute 10 entre Magog et Bromont pour répertorier tous les moyens et petits animaux frappés par des véhicules. Ah, oh, c'est la tortue! Ah, oh, c'est la tortue! Le but, c'est vraiment de faire des suggestions de mitigation pour construire des clôtures et des passages souterrains pour les animaux. Comme ça, les animaux vont mourir moins sur la route. Parce que la route n'en épargne aucun. Tortues, tamias, pécans, lynx, coyotes, renards, oiseaux. Depuis le mois de mai, 120 animaux ont ainsi été retrouvés et environ une dizaine d'autres l'ont été seulement dans la matinée de jeudi. Chaque fois, l'équipe prend soin de bien identifier l'animal et de noter à l'aide d'un GPS l'endroit exact de l'impact. Voilà. Donc, ça, c'est pour le cas de l'autoroute 10. Maintenant, si on regarde dans les Laurentides, sur l'autoroute 50, entre Grenville-sur-la-Rouge et un peu à l'ouest de Pointe-aux-Chênes, il y a cinq passages fauniques qui ont été aménagés, plus des sautoirs et des clôtures d'exclusion. Ces passages-là ont été aménagés lors de la construction de l'autoroute 50 dans le ravage de Serre de Virginie là, qu'on voit ici en mauve. Donc, le cas de l'autoroute 50 qui était ici là, dans la région, c'est le seul cas de passages fauniques qui ont été construits spécifiquement pour la Pointe-Thérèse dans les Laurentides. Par contre, il y a plusieurs organismes qui se sont réunis pour protéger les passages fauniques, notamment un à Ivry-sur-le-Lac. Vous voyez ici la localisation de ce passage, puis en mauve et en vert, le réseau de corridors et de noyaux de conservation des Laurentides. Donc, ce passage-là est situé dans un des corridors proches du Parc national du Mont-Tremblant.
Donc, Conservation Manitou et Conservation de la Nature Canada ont travaillé ensemble pour protéger légalement, mais par acquisition, un terrain situé ici et donc juste adjacent au passage. Le passage est situé sous la route 117 au niveau du petit train du Nord, donc la piste cyclable qui est assez fortement utilisée dans la région. Puis, Éco-corridor Laurentien, depuis 2019, on a installé des caméras puis on réalise le suivi de la faune dans le passage. Donc, on a pu enregistrer des cerfs, un orignal et également des renards. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit renard ici. Donc, c'est un projet qui vise non seulement à faciliter le déplacement des espèces sous la 117, mais également à être une plateforme pour sensibiliser la population et faire rayonner l'importance de préserver la connectivité faunique dans la région. Donc, Conservation de la Nature Canada et l'Institut des territoires sont en train de réaliser des aménagements dans le passage à cet effet. Parallèlement, Éco-corridor Laurentien travaille très fort pour qu'il y ait d'autres aménagements de passages fauniques dans les Laurentides, notamment au niveau de l'autoroute 15, ici, qui est une grande barrière pour la circulation de la faune. Je vous parle de quelques défis qu'on a rencontrés depuis quelques années là, dans la mise en place de passages fauniques dans la région. Mais premièrement, l'acteur principal, le MTQ, son mandat n'est pas de protéger la biodiversité, mais bien d'assurer la mobilité des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Donc, de protéger le déplacement des espèces n'est pas une priorité. Par contre, l'aspect sécuritaire a pu justifier par le passé, puis encore maintenant, l'aménagement de certains passages, surtout pour les cervidés, donc, qui représentent là, des risques de collision mortels pour les humains. Par contre, il y a encore beaucoup à faire pour la petite et la moyenne faune. Deuxième défi, c'est que les données qu'on a en ce moment, qu'on pourrait utiliser pour guider l'installation ou l'aménagement de passage, sont imprécises. Donc, les données qu'on a, c'est surtout des rapports d'accidents de la SAAQ ou des sous-traitants qui ramassent les carcasses sur le bord des routes qui ne sont pas nécessairement formés pour identifier les espèces. Donc, la méthodologie là, varie d'une région à l'autre, mais dans les Laurentides, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, c'est des sous-traitants. Et puis, souvent, c'est la borne kilométrique la plus près qui est rapportée pour la localisation. Donc, on n'a pas de point GPS précis de où est située la collision ou la carcasse. Puis en plus, à cause de l'aspect sécurité du mandat du MTQ, ben, les données qui existent en ce moment ils ont un grand biais envers les cervidés. Donc, on a un moins bon portrait de ce qui se passe pour la petite et la moyenne faune. Donc, pour guider l'implantation de passages fauniques dans la région, on a procédé à l'identification de points chauds de mortalité de routière dans la région. Donc, vous pouvez voir quelques de ces points chauds-là ici. Donc, on fait des analyses là, de concentration de collision, puis on identifie où il serait intéressant de faire des inventaires pour aller venir spécifier ensuite, comme je le disais, là, au niveau de la petite et moyenne faune, c'est quoi le portrait des collisions. Donc, notre rôle jusqu'à maintenant a été surtout de faciliter des rencontres entre les différentes instances pour identifier des stratégies pour mettre en place des passages fauniques. On a fait également la recherche de financement pour réaliser les inventaires dont je viens de parler. Parallèlement à ça, bien, il n'y a pas juste le MTQ puis les universités qui sont concernées. Bien, il faut avoir une volonté politique et également citoyenne pour la mise en place de passages fauniques. Donc, on fait des activités d'éducation, de sensibilisation, etc. Puis, bien, on peut protéger et aménager des passages fauniques, mais s'il y a des projets immobiliers de part et d'autre de ces passages-là, bien, ils ne vont pas être très efficaces. Donc, on va également jouer plus dans le futur, là, une fois que les passages vont être aménagés, le rôle de protection des milieux naturels de façon légale de part et d'autre des passages. Puis, on fait également de la science citoyenne. Donc, si vous vous demandez comment, en tant que citoyen, vous pouvez contribuer à l'aménagement de passages fauniques dans le Laurentides, mais il existe également des projets similaires dans d'autres régions, on a des formations en pistage pour que les citoyens puissent venir faire le suivi de certains passages, voir s'ils sont utilisés. Puis également, il y a l'application Stop Carcasse Laurentides, mais qui existe également dans d'autres régions,
où les citoyens peuvent venir avec leur téléphone intelligent prendre des photos des carcasses qui sont observées sur la route, bien sûr dans un cadre sécuritaire, puis venir rapporter ça dans iNaturalist. Donc, ça vient complémenter là, les inventaires puis les données de carcasses qu'on a en ce moment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de passage phonique. Merci beaucoup, Marilyn, puis merci beaucoup pour ta flexibilité dans cette session ce matin qui est un petit peu plus tumultueuse. On va prendre le temps pour une petite question pour Marilyn rapidement. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui aurait une question? On a beaucoup d'applaudissements, mais pas de main levée pour l'instant. Si je n'ai pas une question trop rapidement, je vais tout de suite vous faire part. Pour rattraper le temps, le prochain conférencier, André Goulet, a été pris, là, il a été convoqué à la Commission de la protection du milieu agricole ce matin. Et il m'avait envoyé sa présentation enregistrée. Il allait parler, dans le fond, de l'aménagement du passage faunique dont Marilyn vient de nous parler. Je vais rendre sa présentation disponible sur le site de l'ISFOR cet après-midi. Bonjour tout le monde, mon nom est André Goulet, je suis ingénieur forestier à l'Institut des territoires, qui est un organisme de conservation. Je ne peux pas aujourd'hui, malheureusement, être avec vous parce que j'ai été convoqué devant la Commission de protection du territoire agricole dans un dossier là, comme témoin expert, mais j'ai quand même pris le temps là, de vous présenter, de vous faire une présentation sur le sujet là, du parc linéaire, le petit train du Nord. En fait, je vais partager mon écran. Voici. Alors, la présentation s'intitule « Déployer un programme d'aménagement intégré et didactique des forêts du parc linéaire Le Petit Train du Nord par le prisme de la territorialité des usagers ». En fait, juste un petit mot sur l'Institut. L'Institut, sa mission, c'est de développer l'idée pour conserver. Il y a trois volets à cette mission-là. D'abord, développer parce qu'à travers nos services conseils, on fait du développement durable opérationnalisé. On développe aussi des savoirs avec le monde universitaire. L'idée, c'est celle de la participation citoyenne dans le cadre des projets territoriaux. Et pourquoi? Pour l'ultime fin de conserver et de créer des aires protégées multifonctionnelles. Et je vous parle aujourd'hui du Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord, c'est 200 km de pistes multifonctionnelles, hein, de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier, mais en fait, en réalité, là, beaucoup plus bas que ça dans les Basses-Laurentides. Le Petit Train du Nord est issu d'un passé industriel, donc ferroviaire, et aujourd'hui, on l'utilise pour des fins récréatives. Vous le connaissez probablement déjà, mais ce qu'on remarque avec pour le même endroit là, sur l'image, et qu'on a une réalité forestière qui est complètement différente. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le Petit Train du Nord, qui a une emprise, une largeur très variable, là, mais d'environ en moyenne peut-être 25 mètres, bien, est constitué de forêts qui ont été abandonnées en 1989, en fait, par le Canadien Pacifique, et une forêt qui est très jeune, là, qui a moins de 30 ans, ou environ 30 ans. Et en fond d'emprise, on a une forêt qui est plus mature de 30 à 120 ans. Ces forêts-là, si on multiplie par 200 km, on a de 300 à 400 hectares de forêt qui constituent vraiment un lien privilégié avec les usagers là, qui, pour bien des cas, constituent aussi un premier contact avec les milieux naturels là, depuis la cité. Depuis, je vous dirais, quelques années, depuis 2015, on a instauré une idée de projet à travers un laboratoire collaboratif dans les Laurentides, une initiative là, vraiment régionale, d'implanter un programme d'aménagement intégré des forêts qui allait contribuer aux saines habitudes de vie des usagers par l'insertion sociale aussi, la formation de jeunes sylviculteurs. C'est eux qui étaient pressentis pour faire le travail. Donc, il y a un volet de création d'emplois puis une création de richesses à la fois économique et écologique pour les marchés des bois. Et cette idée-là a mené à la constitution d'une norme de valorisation de protection des milieux naturels du parc linéaire qui a été faite avec le concours de la Corporation du parc linéaire, mais aussi avec la récente participation du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier qui, à travers une analyse stratégique des FFOM, des forces, faiblesses, opportunités, menaces, lorsqu'on croise les FFOM entre elles, on s'est aperçu que, clairement, la présence de l'école de formation sur le territoire était vraiment une des opportunités
qui allait contribuer au facteur de, au succès, en fait, du programme d'aménagement. Et donc, on a aussi certaines forces sur le territoire qui ont été, qui se déploient, qui sont, demandent une attention plus particulière, dont le grand achalandage des usagers, les paysages remarquables de la rivière du Nord. Et en termes de faiblesse, on remarque entre autres plusieurs arbres isolés là, qui ont poussé là, en bordure sur un talus ferroviaire qui n'est pas fait pour recevoir des arbres. Et donc, soumis au vent, ces arbres-là peuvent endommager le talus. On remarque aussi des très hautes densités forestières, là, donc des arbres de très faible vigueur. Et évidemment, la grande menace à travers le croisement des FFOM, c'est les changements climatiques. Puis même, comme Christian Messier dit souvent, les changements globaux. Donc, la norme elle-même, c'est le document qui servira entre autres à la formation des sylviculteurs, puis qui va soutenir le programme permanent d'aménagement pédagogique ou didactique des milieux naturels. La norme, elle est constituée comme ceci, elle a plusieurs, comme ici par exemple, des cas génériques de sécurité. Il y a des cas génériques, 69 cas qui ont été répertoriés et qui se répètent sur le territoire. Par exemple, c'est des arbres potentiellement dangereux. Chaque norme, et chaque cas générique contient les conditions observées, le contexte urbanistique dans lequel le cas générique s'applique, les objectifs d'aménagement, les traitements arboricoles ou sylvicoles, et aussi, dans certaines mesures, comment on peut s'adapter aux changements globaux pour l'étudiant là, qui devra faire l'intervention. On a aussi, à travers la norme, une utilisation des outils arboricoles non conventionnels, des outils qui viennent plus d'Europe, comme par exemple ici un outil multi-usage qui nous aide à déceler des écorces incluses, voyons, des inclusions d'écorces, voilà. Et on a aussi, par exemple, d'autres cas de génériques de sécurité où on utilise, par exemple, le maillettage, la technique du maillettage ou la technique du résistomètre pour sonder l'intérieur des arbres. On a des cas génériques aussi forestiers qui ne sont pas en lien avec la sécurité, mais bien avec l'aménagement des forêts. Des cas génériques paysagers où, par exemple, ici, on a un paysage qui se fait confisquer par la végétation, des paysages sensibles, donc ici, des milieux humides ou hydriques. On a aussi des paysages identitaires qui sont confisqués par la végétation. On a des cas génériques fauniques, donc, dans ce cas-ci, l'aménagement, la présence ou la proximité de ravages de cerfs de Virginie. Et à travers cette norme-là, on est aussi présentement en train de travailler sur, peut-être que Marilyn en parlait dans la présentation avant moi, mais on aménage des corridors, un corridor phonique à Ivry-sur-le-Lac, là, sous la route 117, donc à travers de la plantation, mais aussi de la disposition de certains débris là, pour la faune. Le petit train du Nord, puis si j'en viens au cœur de la présentation, c'est 1,5 million d'usagers par année. C'est aussi un dossier qui fait l'objet d'une patrimonialisation. Le petit train du Nord est il y a un exercice qui se fait pour en faire un paysage culturel patrimonial qui a un statut culturel de protection. Et on est en train de mesurer justement auprès des usagers et des citoyens, sous quelles conditions, puis si justement le citoyen s'identifie au parc linéaire, puis surtout quelles composantes du parc linéaire devraient être patrimonialisées. Est-ce que c'est son passé industriel, c'est son présent récréatifs, ces paysages, ces lieux emblématiques, etc. Ce qui fait que cet exercice-là nous amène beaucoup, beaucoup d'interactions citoyennes, puis on voit à quel point comment les gens sont attachés, et on se rend compte aussi comment la forêt du parc linéaire, comme toutes les forêts, c'est un dossier devenu aussi épidermique. Hein? Il y a des composantes, une composante sociale très forte, ce qui fait que dans l'idée du développement durable, on a à s'occuper des trois sphères, mais la composante sociale, on s'aperçoit qu'elle ressort sur le train du Nord. Elle est probablement, sinon pas plus importante, elle présente des enjeux très, très certains. Et peut-être même, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un risque social d'aménager la forêt sur le parc linéaire sans consulter ou sans
évaluer les, justement la, les modalités d'une participation citoyenne. Donc, si on répond à ces 6 questions-là et on répond par un oui à ces questions-là, bien, cette liste de questions-là constitue justement une liste qui nous permet de prévenir le risque social puis d'aborder les territoires sous l'angle social plutôt qu'économique ou environnemental dans un premier temps. Il faut savoir que la forêt, hein, comme étudiant, vous le savez, il y a plusieurs, nos liens avec la forêt, il y a plusieurs sources d'informations qui sont disponibles. Nous, les forestiers, on a accès à cette littérature qui est très scientifique, mais il y a d'autres aspects de la forêt que les publics privilégient, des aspects philosophiques, des aspects poétiques, des aspects historiques aussi qui sont importants derrière la forêt, ce qui fait que ces différents points de vue-là nous amènent à pas seulement faire des plans de sondage écologiques, hein, on est bon là-dedans, nous, les biologistes, les forestiers, mais s'occuper de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on appelle l'ingénierie de la participation. Donc, un plan de sondage social. Et il y a 2 défis là, vraiment à court terme là, qu'on voit dans un dossier comme le parc linéaire. D'abord, consulter les parties prenantes en créant des conditions favorables à l'intercompréhension. Créer un langage commun avec les gens, puis aussi à l'exercice de la citoyenneté, de la démocratie. Donc, de faire d'un administré là, vraiment un véritable citoyen qui va s'impliquer sur le territoire au-delà d'un vote par 4 ans. D'abord, la langue, on veut éviter la tour de Babel. Hein. Richard Desjardins l'a bien souligné en 2018. Il dit, bon, il y a 3 choses en littérature qui m'impressionnent au plus haut point. La Bible écrite en hébreu, la poésie surréaliste française et puis les textes du ministère des Forêts du Québec. En fait, quand on aborde la langue, il faut aborder la gestion de l'émotion. La forêt, pour plusieurs personnes, incluant les scientifiques, il y a des aspects émotifs très forts reliés à ça. Et puis, on est à une époque où le fait divers, le divertissement, l'opinion prend une place importante là, plutôt que l'information. On va s'attarder au quoi, au qui, plutôt qu'au pourquoi. On a moins le temps de s'attarder au pourquoi parce que ça demande du temps. Traitement émotionnel de l'information, mais tout le monde a égalité. Hein? On n'a pas besoin d'être allé à l'université pour être ému. Puis l'émotion est aussi perçue comme authentique. Évidemment, une émotion, ça sort de l'intérieur et donc elle est considérée par plusieurs comme fiable et donc vraie. Et donc, tout l'avènement des thumbs up là, sur les réseaux sociaux appuie tout ça. Un autre aspect que les scientifiques doivent aussi prendre conscience, c'est que on devrait tout le temps aborder le territoire par la science et que par la science? En fait, non. La science permet à répondre à des questions, mais il n'y a pas seulement ces questions-là qui doivent être posées, puis ni les seules questions auxquelles l'humanité doit se poser, puis encore peut-être moins les seules auxquelles elle a profondément besoin de répondre. Il y a d'autres composantes au milieu naturel que les aspects scientifiques. Et quand on parle aux gens, évidemment, une des composantes de la médiation, donc la base de la communication entre les personnes, c'est, en fait, si on veut concilier des positions, c'est de faire passer la discussion de l'opinion ou de l'émotion au besoin. Donc, d'exprimer justement ces positions par rapport à ses propres besoins. Un autre facteur à vraiment prendre en compte, c'est de miser sur l'intercompréhension depuis le début du projet. Et donc, de fournir un coffre à outils là, diversifié là, aux citoyens, mais aussi, pas seulement aux citoyens, donc de faire un citoyen curieux informé à un citoyen formé, mais aussi de faire d'un professionnel versus la communauté, un professionnel curieux, informé et formé des savoirs d'usage du citoyen. Et donc, ce qu'on a fait pour ça à travers le parc linéaire, c'est qu'on a fait un sondage qui allait expliquer, en fait, les balises du programme d'aménagement intégré et à travers lequel, d'abord, on posait la première question, avant même de vous expliquer le programme, c'est quoi votre idée, c'est quoi votre impression à l'idée d'aménager les boisées du parc linéaire? Et les gens répondaient à cette question-là et là, on rentrait dans un quiz qui visait justement à souligner la complexité d'un programme d'aménagement, entre autres l'identification d'insectes ravageurs, les coûts kilométriques d'entretien d'une forêt. On leur posait la question, quels sont selon vous les 2 problèmes qu'on observe, par exemple, sur cette photo?
Quel phénomène cause l'envahissement de la piste par les végétaux ici? Hein? Donc, c'est, évidemment, c'est le phototropisme, là, la recherche de lumière. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on reposait la même question après coup, après le sondage, sur leur impression d'aménager la forêt, et on remarque une hausse quand même relativement marquée là, de l'appui au programme d'aménagement permanent des forêts. Et donc, cette intercompréhension-là, basée sur l'empathie, en fait, vient aider à améliorer l'acceptabilité sociale du dossier. L'acceptabilité sociale, c'est une question peut-être de chiffres, c'est une question quantitative, mais c'est aussi, surtout pour ma part, une question qualitative. On a recueilli des commentaires immensément intéressants. Ici, entre autres, vraiment des préoccupations. Par exemple, il faudrait aussi faire confiance à la nature, n'en faites pas trop. Favoriser la parité entre la présence d'hommes et de femmes. Il serait très décevant que des arbres fruitiers là, soient coupés. Il est faux de croire que d'effectuer des coupes favorise la biodiversité. C'est une occasion de leur expliquer, par exemple, que la forêt va nuire dans certains secteurs du parc lunaire à l'habitat du merle bleu ou à la présence de certaines espèces de lumière comme le cerisier tardif. Mais on a aussi récolté beaucoup de commentaires positifs et donc et ce qui nous permet justement de fragmenter vraiment la problématique là, ou la perception citoyenne plus problématique en sous-problèmes et de s'attarder aux principaux problèmes pour augmenter l'acceptabilité sociale. Alors, le projet est en cours. Il y a un projet pilote et des sites de démonstration permanents qui seront faits pour augmenter encore l'acceptabilité sociale. Il y a une demande qui est déposée à la Fondation de la Faune. Mais il y a des projets de recherche présentement sur la résilience des forêts avec l'ISFAR, l'Université Laval, qui sont en cours. Un projet aussi avec le Living Lab Laurentide sur les changements climatiques. Donc, la compensation par la plantation des travaux sylvicoles de l'émission des GES de l'industrie touristique laurentidienne. Projet de conservation, j'en parlais tantôt là, avec la patrimonialisation culturelle du parc linéaire. Et donc, avec le CFP, il y aura, dans une phase finale du dossier, l'instauration là, d'un programme là, pédagogique là, pour former les sylviculteurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je ne peux pas répondre aux questions, mais sachez que ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Et bonne poursuite. Merci.